un ministre pas gagné vraiment pour la guider un commissaire gouvernement dans l'action que l'a posée. Sans façon pour dire nous, dans le dossier ça, dans le panel de TBNZA qui implique trois conseillers présidentiels, le ministère va diriger à pas de aucune directive particulière au débat paquet dans ce sens-là. Si vous permettez, moi, Robinson, je crois que je vais répondre avec la question ça. Merci. Ok, non, devez préciser. Je comprends c'est ça que vous voulez faire, mais moi, je crois avoir répondu. Merci. Ok. On va regarder plusieurs points. Là, il y a un gros objectif, ou sinon, plus gros objectif, ou bien plus gros mission, de quand dit gouvernement ou la dedans guerre, c'est rétablir sécurité. Et on parle avec monde qui tout indiqué pour dossier ça, de causer sécurité. Et avec dernière semaine ça là, nous ouais, c'est comme Bandadou, groupe armé, groupe criminel, yo, yo reprend confiance en tête yo, qui des bagages que yo te qu'on fait, yo pas faire le concours là, nous ouais, retourner à faire et rentrer dans faire des incursions dans des zones et punir population qui c'est dans capitale là, qui c'est en province, nous ouais ça aussi de faire et notamment Ponson D et semaine passée à la et dans la Tibonite. Est-ce que le gouvernement dépassé par la situation ça, malgré comment c'est gagné en quelques centaines de soldats et comme dit mieux et policiers étrangers qui n'avaient rien dans le cadre des missions multinationales? Permettez-moi, m'a commencé par d'abord saluer courage, capable de combativité, force de sécurité. Yo. Qui certainement bénéficiait de assistance membre MSSU, qui permettent que Jean-Sau dit là, il résisté avec multiple bandits au fait, parce que dans le dernier moment, yo, c'est vraiment son avalanche, qui permet yo reprendre Ponson D, nous connaissons près de 80 monde assassinés, et libérer Axe Saint-Marc Gonaïve, et qui permettent nous, qui permettent yo stabiliser Grissier. Et vraiment, faut nous applaudir, monsieur Sécurité yo, pour Jean yo combatif. Et n'a pas gardé, depuis semaine, dans la semaine passée, à, et li Maritime yo, commencé à retourner dans Port-au-Prince, après que, pendant un bon temps là, monsieur yo tapé dans un bâtiment, cap, t'es attaqué bateau cap entré mais force de l'audio t'es intervenu les bâtiments les 8 heures font que des détails n'a pas regardé pour pays n'a pas tout suite après regarde c'est vous bien monsieur le ministre c'est pas avec actualité enquête analyse oui c'est... News, équipe la solide. Ous Magique 9 et Sabonneur, on va suivre le panel Magique. On a parlé avec le ministre de Justice avec Sécurité Publique, M. Carlos Hercule. Avant de prendre une pause de la pouvoir, M. Carlos Hercule, tu as expliqué qui travaille force de sécurité a fait pour établir la sécurité dans plusieurs points dans le pays. Monsieur le ministre, tu as évoqué les efforts qui fait, et notamment pour permettre l'opération de reprendre dans le port de presse. Oui. Oui, justement, nous t'ai dit faut que nous vraiment comprendre nécessité pour nous saluer courage monsieur qui a intervenu sous terrain pendant ce temps le soir nous-mêmes n'a dormi la caille nous qui permettent que nous marcher et dans la rue même s'il y a des inquiétudes mais au moins arriver faire ça
pense que vraiment c'est important que tout le monde essaye de comprendre et saluer et forcer yo parce que pour que c'est pas le contraire qui c'est nouvelle là parce que ça yo le très important yo besoin appui nous yo besoin ouais et population hein, et les leaders d'opinion yo avec yo parce qu'on a comprendre que semaine dernière là gagné une opération qui menait dans base Vitelhomme et monsieur échappé de justesse et m'a besoin retourner sur détail puisque ça t'est bailli déjà par la police là récemment là gagné une deuxième chef gang dans corridor Bastia Tibos qui tombé gain plusieurs matériels qui saisi mais faut nous comprendre que ça qu'a fait yo là c'est pas à ça que gouvernement ça a fait face là contrairement avec des moun k'a bali qui blié que c'est des bagages qu'il a depuis près de 20 ans qui blié que normalement c'est des moun qui mettaient zam nan men civil et fait que c'est au même jour d'hier encore qui mettait nous dans situation ça qui fait que gen moun qui blié qui comprennent en 5 mois le gouvernement koni capable éradiquer question violence là pendant que non seulement yo même yo té lancé mais yo alimenté régulièrement si n'a regardé ça n'a vive jodi à là qui s'est passé depuis que question pour conseil électoral la prend fonction la gué dans la presse et puis même côté a toute force yo qui té paraît tranquille toute force les bandits yo et qui te paraît tranquille yo et puis yo tout réuni et puis yo fait des attaques en masse contre surtout dans toute zone métropolitaine nan, qui fait que la police obligée à diviser en plusieurs groupes pour yo répondre avec attaque sa yo et bien là non façon situation comme ça et bien si monsieur sa yo monsieur force de l'ordre sa yo yo pas vraiment très combatif yo pas déterminé et malgré nombre réduit, malgré faible moyen, malgré logistique qui est assez fragile, yo répond, yo résister avec. Et moi ça yo mérité saluer, yo mérité pour moun yo comprendre yo parce que situation sécuritaire ça que n'a vive et n'a fait face avec tant bien que mal, il mérité pour ça. Tout à fait, tout à fait. Nous même si ta nous toujours un parti pris clair, nous prend en faveur la police qui sont institutions républicaines, nous toujours dit ça, c'est l'année, c'est dans quand la police a nié une bajam cachée pour nous dire que la police a j'ai pas la faire et pour nous féliciter mais en même temps il y a les faits qui souterrent hein semaine ça là weekend ça nous ouais comment bandi ont des incursions à faire notamment dans Solino et il y a monde t'a demandé qui côté bon c'est vrai que force multinationale là il faut au grand complet mais il y a monde t'a demandé qui côté au passé monsieur le ministre puisque incursion ça a fait et rentrer ça au bandi criminel à faire dans des zones, eh bien, ils estimaient que ils n'ont pas joué et résistance par rapport à la police, monsieur le ministre. Si ils n'ont pas joué résistance, je pense que ils ont pris Solino déjà. Contrairement à une vidéo qui a circulé hier, et c'est la map de Robinson, il faut que nous fassions un peu l'attention pour que nous pas fait bandits ou gagner bataille de communication. Donc bataille psychologique là. Yo partagé yon vidéo côté que yo montré yo occupé Solino alors que c'est yon espace qui non loin de Solino honnêtement mais qui pas Solino et que tant yo t'ai fait c'était probablement un temps yo t'ai fait vidéo et yo t'ai chassé. Et si vous regardez bien ou après gagner vidéo que PNH là, gagne l'autre vidéo qui circulait qui montrait que même espace côté yo t'ai quand yo te gen tamboulé yo et bien espace ça li libéré ça veut dire que la PNH li gen le contrôle de la situation mais nous gen des intoxications que nous comprendre gen des moun situation normal là pas fait affaire yo parce que l'on non situation de stabilité comme ça c'est là yo fait tout beurre yo même yo vle acheter li persister mais l'important c'est que force de l'ordre yo même yo déterminé et nous clair sous lit ou même sous deal nous en nombre limité moyen yo insuffisant l'assistance de la force multinationale li pas encore total pour plusieurs raisons yo pas en nombre matériel yo pas suffisant donc malgré tout ou gagne
des zones que vous arrivez maintenu, il y a des côtés qui étaient fin prend nous récupérer yo, donc gagner vraiment travail ça qui certains et nous-mêmes n'a pas avancé sous lit. Ou dit que pour qui ça fait monsieur capable faire des incursions comme ça, c'est parce que certainement gagner des zones là absorbe là prend tout espace et ou sorti en bas et ou c'est matin pour monter et zone terrain paix pour arriver pour sous passer par en haut sous zone corridor bassa pour pas monter presque dans dos l'église Saint-Antoine pour monter dans dos l'église et Saint-Michel zone ça yo même ces zones qui étaient très fragiles c'est facile yo font incursion la donne parce que la police là dans ça que lui même l'a fait gain des zones côté que li pa ko capable fin consolider yo qui fait gain des brèches que yo passer la donne parce que qui ça pour population comprendre son bataille qui déclenché son guerre qui déclenché monsieur yo pas font ti bagage seulement son coup même j'étais qu'on a font kidnapping et puis au courir entrer bagala li plus profond parce que ça va prendre comme violence là li pas seulement on simple question de banditisme les violences politiques les violences économiques les questions de trafic drogue les questions de trafic d'organes c'est tout ça qui mélangé ensemble qui fait que li vin immense nan mion donc son faire eh bien, immensité à découvrir, mais n'empêche que nous-mêmes, comme gouvernement, ça qui fait force, c'est que ce n'est pas pactiser avec bandit qui peut faire pour plus terrain. C'est camper en face bandit, c'est avancer sous bandit, et c'est ça exactement gouvernement ça l'a fait, contrairement à d'autres. Nous comprenons l'explication. Pour nous capables de comprendre mieux ce qu'on a expliqué là, est-ce qu'on est capable de dire quel territoire perdu nous arrivons prendre, la police arrive prendre? On nous prend pour sonder. Okay. Grécien qui stabilisait en nous parle et circulation faite normalement dans Grécien sur national numéro 2 on dit que Grécien stabilisé pour sonder axe routier à lui-même les libérer et gain plusieurs artères qui libérer et là yo consolider OK consolider pour stabilité on dit que Grécien pas connait comment on définit stabilité mais circulation toujours très compliquée. Et sur le Grécien, poste de péage et Bandio, il y a plusieurs côtés, il y a toujours là, c'est ça, des mondes à côté, M. le ministre. Oui, ça, c'est un défi que vous avez répondu à chaque fois. OK. Maintenant, donc, monsieur le ministre, lundi, il y a eu Baïzam, et il y a eu demandé au gouvernement pour résoudre des problèmes qu'il a depuis 20 ans, et dans 5 mois. De qui il y a parlé? Tout le monde dans le pays, nous connaissons exactement sans stress, sous 100.9. Les forces de ténèbres. Il y a 20 ans de cela, ils ont armé des civils, ils ont mis des âmes dans le petit monde, et puis eux-mêmes, ils n'ont pas avancé sur tout le monde. Nous sommes là, nous vivons. Même force ténèbres, même force ténèbres a yo, yo continue à chaque fois gagner une situation qui revenu au calme. Force ténèbres yo mette ensemble, yo fait des coalitions avec ancien moun qui te condamné, avec moun qui connaît que yo gen doit utiliser zam, gens yo vle pendant que yo pas policier, yo pas gen autorisation pour ça. Yo pas l'armée d'Haïti. Yo connaît que yo capable faire ça sous force zami yo. Yo alimenter insécurité a. Pardonnez-moi. Est-ce que nan force ténèbre parler là parce que l'on parler là gen des moun k'ap dit tête yo. Est-ce que on parler de et Lavalas? Est-ce qu'on parler de Guy Philippe? Est-ce qu'on parler de Bessap? Parce que là du force ténèbre là, il est un générique. Je n'ai pas cité de nom. Mais ce que tout le monde doit savoir, c'est que on a des renseignements. C'est ce que tout le monde doit savoir, on a des renseignements. OK. Maintenant... Nous avons côté, récemment nous avons nous côté, ça a fait à la sortie, si vous comprenez bien, monsieur le ministre, excusez-moi, monsieur. On a des renseignements, je reste là. Maintenant, Gagné et M. Voltaire, qui n'ont l'aide, les joueurs du Premier ministre, ils soulignent qu'au plan sécurité, au plan économique, au plan social, et les résultats n'ont pas au rendez-vous, et ils clairement indiquent qu'il y a une nécessité pour un remaniement ministériel. Vous avez un commentaire?
Non, je n'ai pas de commentaire. Maintenant, sur le plan sécurité, parce que là, le Premier ministre chef du CSPN, ou même ou dans le CSPN, non. Et cette critique-là, vous êtes pratiquement et directement et oui, j'en suis bien conscient, mais je n'ai pas de commentaire. Ok. On y a des décisions qui prend Denis Joussaou dans le Conseil de sécurité de l'ONU, hein, pour que vous mettez... D'accord, dans 3 minutes. Non. Le Conseil de sécurité et embargo sur les armes, est-ce que nous avons des difficultés particulières nous-mêmes pour nous joindre et armes et munitions pour les forces de sécurité publique haïtienne? Non. J'en profite pour clarifier cet aspect de la résolution du Conseil de sécurité. Il n'est pas concerné le gouvernement qui a une possibilité pour l'acheter. Il est concerné seulement toute l'autre entité qui n'est pas gouvernementale. Pour y acheter, il faut que vous ayez autorisation conseil là. Mais ce n'est pas valable pour l'État ici. Confirmez pour nous, monsieur le ministre, dans le budget, ça, il y a une augmentation des dépenses de sécurité et allocation budgétaire pour les forces de sécurité ou pas? Comment? Est-ce qu'il y a une augmentation budgétaire pour les forces de sécurité pour les questions sécuritaires ou pas dans le budget 24? Oui, dans le budget 24-25 là, il y a une augmentation sensible pour questions force de sécurité publique. Je veux parler de l'armée et de la police. Comment? Allez-y rapidement. Oui, gagné une augmentation sensible dans le budget 24-25 là pour force de sécurité publique, la police et le FADH. C'est confirmé. Il y a une disposition qui a... Oui, il y a une disposition qui apprend. Oui, il y a des commandes d'Apton. Il y a plusieurs commandes. Captain, c'est rivé, procédure, là, qui est un petit peu... Et bon, c'est procédure. Les armes, équipements... Non, s'il vous plaît, vous capable de laisser moi. Ok, non. Pas élaborer ça. D'accord. Maintenant, quel est l'état d'esprit de tout? Parce que, au cas de un commissaire, et Livingston Gosset, par contre, fond dossier, mais il suscite un peu de parler dans la presse. Est-ce que ça a un impact sur le moral des troupes? Et question directement, quel est l'état moral des troupes qui fait face à bandits et criminels qui ont des populations, problèmes de diable? Bon, contrairement des propagandes qui ont fait dans ce sens, mais si moral des troupes n'est pas au beau fixe, eh bien, résultat n'a pas besoin de quoi que ce soit par rapport à l'immensité des problèmes, nous n'avons pas besoin de nous. Nous n'avons pas besoin de nous. Si moral des troupes est vraiment à terre, ça passe tabar là et pas tabar et non dans zone vite l'homme là il pas passé ça arrive pour sonder que la police fait route là par terre depuis 3 ans ça pas jamais fait il pas fait monsieur le ministre qui gagne dans Solino hier là il pas résisté non monsieur le ministre oui. Pardonnez-moi et sonder et c'est son échec sonder et drame son échec. Carnage qui fait là, et signal que mon été lancé, appui au téléphone, il n'y a pas de gain là, moment où il y a gain là, ça c'est son échec. Maintenant, réponse qui baille, pardonnez-moi une seconde, réponse qui baille pour établir sécurité, pour établir circulation, c'est très bien. Mais maintenant, par rapport à signal, mon été dit, il est très critique par rapport à la police qui doit faire plus en département de la Tibonite. Et c'est ce qui est dit. Maintenant, si vous permettez, si c'est ça qui dit. Qui c'est ça qui dit, mais pour qui ça ou même ou affirmatif pour dire que son échec. Vous l'endossez, c'est comme un échec. C'est un échec, là, en amont et en aval. Votre responsabilité, c'est prévenir et carnageux, t'as des signaux de détresse qui dévoyent. Le nom communauté, qu'on massacre qui fait 80 monde mourir, et rétablir et trafic, sont bon pas. Mais 80 monde qui mourir, c'est une tâche noire liée dans le bilan, clair. C'est éviter, vous devez éviter ça. Maintenant, bon. Monsieur, en tout cas, c'est très très facile et j'apprécie votre façon de voir. Bon, de toute façon, c'est normal, c'est travail par nous-mêmes. Nous avons des positions, c'est normal, c'est comme ça. Allez-y. Mais vraiment, pour une dernière, parce que je dois vous laisser. Alors, population dans la Tibonite, ils ont manifesté, ils ont crié, ils ont très critiques par rapport à nous. Est-ce que vous assumez cette responsabilité et vous engagez à faire mieux, parce que clairement, Oudil, et sous point ça, vous avez raison, vous héritez d'une situation extrêmement difficile et compliquée. Okay? Mais il vous faut aussi faire un assessment, un bilan de problèmes, de difficultés,
des assistances qui promettent, qui pour arriver dans niveau pour adresser ça n'a pas là, qui clairement c'est des bandits qui gagnent gros moyens, qui ont des connexions notamment de là avec trafic en drogue et là qui a pas des problèmes à pays. Maintenant, est-ce que à ces ça nous même dans l'état nous faisons, est-ce que nous faisons tout avec vos partenaires étrangers pour nous dire il faut faire mieux, plus et bien. Mais ça me qu'a dit, ça dit là, vous faites régulièrement. Vous faites régulièrement. Mais entre ça qu'a fait dans cuisine, ça qu'a examiné ou ça qu'a étudié, ça qu'a défini et ça qui a fait souterrain ou même pour elle, eh bien on connaît ça pour un petit temps. C'est ça que fait nous des populations hein. S'il vous plaît, un peu de patience. Nous comprenons que yo vraiment gagnera le bol, mais faut que yo pas prend, faut que yo pas quitter ou intoxiquer tout parce que comme nous connaissons, peut-être même j'avais ou bien plus passé, gagne tout bagaille. Alors yo gagne plusieurs parties, gagne des parties non visibles et c'est au même cap déterminant. Et ça qu'a fait jodi à là solution ou pap kawel demain ou pap kawel après-demain parce que problème nan immense mais gen travail k'ap fait si travail ou pa t'ap fait côté nou ye jodi a la nou pa t'ap la c'est parce que travail sa wap di yo fait régulièrement quand je dis régulièrement donc c'est ce que je peux vous dire et puis vous vraiment pour une dernière parce que là non monsieur le ministre non c'est pas tout ça s'il vous plaît faut prendre temps pour répondre pour nous gain rapport hier c'est parce que parti ça là c'est qui parler là qui dit que gain un corps renseignement qui a des conseillers et c'est comme ça monsieur Smith dans rapport USCCA monsieur Smith Augustin présenté le rapport USCCA est-ce que jodi a dans moment côté policier militaire engagé sur le terrain est-ce que jodi a ministre justice là qui a dit que et doit gagner effort pour faire pour que gon meilleure gestion et utilisation de l'argent qui a loué à renseignement parce que souvent ici nous tendons son corps comme si on avait lagué plusieurs côtés qui comme renseignement gon gargote qu'a fait et bagaille ça son bagaille qui mérite résoudre est-ce que il y a des problèmes à ce niveau est-ce que il y a nécessité de utiliser ressources ça pour objectif qui décide c'est-à-dire renseignement pour policiers ou militaires ou des données et des informations au moment de planifier opération et leurs interventions sur le terrain OK